La personne est endeuillée parce que la personne dessous, en fait, a encore une vie. Et c'est pour ça qu'en fait, on est ici, pour savoir que ce n'est pas exactement ce qui a été fait dans l'islam, qui a été la vérité. Et en fait, on voulait savoir qui avait tout foiré. C'est un homme hein, qui a tout foiré et qui ne savait pas pourquoi il avait tout foiré. Vous pensez, il savait tous les jours pourquoi il a tout foiré. C'est une personne en fait qui prenait la charge en fait de l'idée, tout ça, qu'il savait. Et en fait, apparemment, il n'avait pas vraiment de solution. Il n'avait pas vraiment en fait de véritable solution. Et ce qu'il faisait en fait, il prenait toute la responsabilité alors qu'il n'était pas le vrai. Et il prenait la responsabilité pour demander à l'autre tout le temps ce qu'il fallait faire. Et vous vous doutez du poids de cette personne. Et en fait, on avait l'autre personne, vous voyez, ici, on a l'autre personne. Et l'autre personne, apparemment, j'ai expliqué la situation, elle n'a pas qu'une seule vie, voilà, elle a plusieurs vies. Et normalement, c'est attesté maintenant dans Allah, la divinité, qu'elle a plusieurs vies. Quand la personne, en fait, elle ressuscite, voilà, elle ressuscite dans la divinité, voilà. Dans le cas où c'est fait même par l'imam Mahdi, alors c'est dans la divinité. Vous êtes sûr maintenant que la personne est ressuscitée? Et c'est pas là. Et c'est pas. Elle a ressuscité dans la divinité d'Allah. Et voilà, en haut même, en haut de l'idée. En haut de l'idée, non, en haut de la création. Et la personne ne peut pas s'en souvenir. L'autre qui n'était pas responsable, qui voulait juste une idée. L'idée de la personne. Et vous comprenez maintenant que je suis la personne. Et maintenant, je vais vous expliquer. La personne, en fait, elle est connue. Voilà, qui est dessous comme au-dessus maintenant. Et vous comprenez qu'en fait, elle n'est plus après dessous, elle est au-dessus. Voilà. Et ça, c'est le droit chemin, Sirat al-Mustaqim. La personne ne doit plus vivre en dessous, elle doit vivre dessous, dessus quand elle passe dans le royaume d'Allah. Voilà. Elle passe dans le royaume d'Allah par la résurrection. Voilà. Elle passe aussi dans le. Mais là, elle passe dans le royaume d'Allah par la résurrection. Elle passe dans le sein, après elle passe dans le sein, elle passe dans le sein de la nouvelle création, elle y passe par la vol, par la nouvelle, la nouvelle vie, par la nouvelle vie, par la nouvelle vie, et cette nouvelle vie en fait, elle est pour les élus, voilà, elle est pour les élus. Donc cette personne-là en fait, qui était Annie, sa racine c'était HNY, voilà, HNI. En fait, cette racine, elle était proche du Mehdi qui est HDY. La racine qui veut dire, en fait, Ani, ça veut dire content, heureux, ça veut dire, en fait, satisfait, voilà. Mais cette racine, elle évolue, en fait, dans l'autre vie pour devenir guidée, c'est-à-dire HDY pour devenir Mehdi. Et en fait, vous comprenez que même Ani Damiri, c'est un acronyme dans ses lettres pour dire Mehdi. Et en fait, vous avez un acronyme, en fait, un signe. C'est comme en fait un signe pour dire Mehdi, parce que ça contient les lettres du Mehdi. Et en fait, Ani, c'est comme le Hadi. Dans l'islam, c'est comme le Hadi, c'est un guide, voilà, c'est un guide. Et en fait, on pensait que ce que ne savaient pas les gens, c'est que la personne. Ce qu'on ne savait pas les gens, c'est que la personne avait pu survivre. Elle avait pu survivre parce qu'elle avait pu en fait redevenir peut-être consciente et qu'en fait on pense que la personne avait pu survivre en fait parce qu'elle était médecin et donc elle se rendue compte en fait qu'elle ne serait, elle serait consciente peut-être mais qu'elle ne serait plus là. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle s'est peut-être fait survivre parce qu'elle était médecin. Mais en fait, notre preuve que la personne en fait elle-même prenait différentes formes de vie. Et arriver à survivre dans ces différentes formes de vie. Et en fait, on a compris que la personne du médecin qui était un docteur, il était français et d'origine palestinienne. Il a survécu, à un moment donné, il avait survécu. On l'a compris par la volonté d'Allah, on l'a compris parce que j'étais moi-même, par exemple, j'en témoigne parce que j'étais conscient. Et que la personne, en fait, j'avais des consciences tout le temps avec elle et que la personne, en fait, était consciente. Donc, en fait, j'ai compris qu'elle avait survécu. Vous comprenez que j'ai compris qu'elle avait survécu. Mais en fait, dès que j'ai saisi qu'elle avait survécu, j'ai voulu savoir en fait comment elle a survécu. Et je pense qu'elle s'est fait survivre en tant que médecin avec ses connaissances. Avec ses connaissances. Seulement, dans l'islam, en fait, la personne qui vit sous terre ne peut pas survivre parce qu'elle vit sous terre. Et donc, en fait, on doit prononcer pour Allah la résurrection. On doit prononcer la résurrection, puisque la personne, en fait, normalement, ne peut pas survivre. J'ai compris. Donc là, j'ai prononcé encore la résurrection. Et je vous dis qu'en fait, la personne, normalement, elle a survécu dans la royauté d'Allah. Elle a survécu par l'imam aussi, par l'imam. Et ça, c'est en fait la prochaine fois qu'on l'a dit.
La prochaine fois qu'on l'a dit, non, maintenant qu'on l'a dit. Et là, l'homme qui dit la prochaine fois qu'on l'a dit, qui voulait partir avec cette déduction, il s'en va parce qu'il n'a pas de cœur. Voilà. Et c'est maintenant le cœur pour les musulmans, c'est maintenant. Donc la personne est le deuxième imam. La personne pour Allah compte. La personne pour Allah a une vie dans l'au-delà. Maintenant, Annie a une vie dans l'au-delà. Et il a forcément la vie avec un corps aussi, un corps que Allah peut recréer comme il veut, qu'il peut refaire vivre comme il veut. Et en fait, on dit que Annie, selon Allah, n'a pas à rester sous une tombe, voilà, en train de vivre, voilà, une vie qui n'est pas digne, qui n'est pas digne. Le noble, le karim, le généreux, le puissant, le raziz, le grand, le kabir, le juste, le adl, le voyant, le basir, c'est ce qu'il y a en dessous. Il est voyant, il est aussi audient, il entend la personne s'il veut. Il sait que la personne, en fait, doit vivre une nouvelle vie. Il sait que la personne doit vivre dans son paradis aussi, qu'elle doit être appelée dans son paradis pour vivre dans son paradis. La personne ne peut donc pas rester, selon Allah, la majesté, elle ne peut pas rester sous une tombe, à vivre une moitié de vie, pour ensuite être en fait à moitié vie, à moitié vivante, vous vous en doutez bien. Néanmoins, nous suivons la personne aussi, qui nous a dit qu'elle avait besoin d'urine. La personne m'a dit qu'elle avait besoin de faire des urines, qu'elle avait besoin de faire des urines. Et le corps semblait être celui de mon père, qui était apparemment dessous. Elle me dit qu'il a besoin de faire des urines. Et donc moi, je commence à faire des urines parce que j'avais le corps. En fait, j'avais une chair, voilà, en plus, j'avais une chair en plus. J'ai commencé à faire des urines. Et ces urines ne sont pas là, mais je les ai. Voilà. Et en fait, à quoi ça nous sert? Prouver que j'étais conscient. Conscient de la même personne, c'est tout. Et ensuite, la personne, scientifiquement, elle peut être connue, voilà, comme étant une personne qui a fait la résurrection. Et une personne aussi qui a ressuscité, à un moment donné, qui a ressuscité. Et en fait, on a eu des visions du temps futur où la personne était vivante. Donc on a confirmé dans le temps futur que la personne était en vie. Papa, voilà la vérité, Ryan. Tu dis la vérité, mais la personne ne peut pas connaître. En fait, là, on va s'absenter. La personne doit survivre. Et la personne, après, doit vivre normalement une vie digne. Et la personne est docteur. Elle est en fait aussi un Mehdi, ça veut dire une personne qui a été guidée, guidée vers la vie future. Et là, en fait, c'est le bien guidé. Si la personne a été guidée vers la vie future, Allah, dans la connaissance, en est informé de son Mehdi. Et en fait, Allah ne peut pas tout seul, vous pensez, représenter toute la création. Il peut représenter toute la création, même tout seul. Il peut même, avec sa main, prendre le corps de n'importe quelle créature. Il peut le prendre avec son pouvoir et il peut le mettre où il veut dans sa création, que cette personne soit morte ou vivante. Voilà, il peut prendre son corps et il peut le mettre où il veut dans sa création, même il peut le garder pour lui s'il veut. Mais la différence avec les autres, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on va faire, la différence avec les autres, c'est que Allah n'est pas égoïste. Allah n'est pas un injuste. Voilà. Allah n'est pas quelqu'un qui non plus prive les gens de leurs droits, sans qu'il n'ait de vraie vie. Allah nous a guidés vers la vraie vie, et il ne nous a pas guidés vers l'absence, en fait, vers l'absence de vie, et vers, en fait, une vie qui n'est ni la vie, ni la mort, finalement. Est-ce que vous comprenez que si vous déduisez qu'aujourd'hui le docteur est en vie et qu'il a survécu même par ses propres moyens, vous devez sortir la personne de terre pour montrer qu'il était en vie, même si vous ne savez pas ce que vous trouverez quand vous creuserez la tombe. Ou bien, disons-nous que vous avez aussi confiance en Allah, qu'il a recréé déjà un corps, qu'il a déjà fait un corps, qu'il a déjà refait la personne, et que la personne est appelée dans tous les cas à devenir la nouvelle vie, à devenir la nouvelle personne, et qu'on va finir par savoir quelle est cette nouvelle vie, et aussi peut-être revoir cette personne, revoir la personne qui était Annie, peut-être la revoir Mahdi, ou encore la revoir en vie. Et bien, en fait, maintenant j'ai pardonné Annie, et maintenant j'ai dit en fait, la personne peut vivre. La personne doit vivre, voilà. La personne sera même recréée. Elle sera même recréée. Avec une idée de l'imam. Avec une idée de l'imam, non. Avec une idée du Tout-Puissant. Peut-être une idée de l'imam aussi, mais une idée du Tout-Puissant.
Et il n'y a pas d'erreur avant. Il n'y a pas d'erreur. Allah est bien présent. Je le sens. Je sens la divinité. Allah peut bien prendre sa vie, hein, l'emmener s'il veut dans son corps. Comment ça? Là, c'est des ignorants qui sont conscients. C'est un homme qui doit être conscient. Annie, je ris encore de savoir que tu es conscient, je ris encore. Je ne peux pas faire moi-même ce que tu demandes, mais Allah peut le faire, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Mais en fait, tu as résolu, mais je peux faire quelque chose. Ne pas dire que c'est toi. Je peux dire que c'est Annie. Et une fois qu'ils savent que c'est Annie, je peux dire que j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Une fois qu'ils savent que c'est Mehdi, je peux dire que j'ai tout ce que je veux. Et une fois qu'ils savent que c'est Muntadhar, je peux dire que j'ai de l'imam. J'ai l'imam. Et je dirais que j'ai l'imam Mehdi ici. Mais combien de temps ça va durer avant qu'ils ne rendent compte, avant qu'ils ne soumettent l'homme qui n'a pas obéi? Et aussi qu'il retourne la promesse, que Allah fasse retourner la vie, et qu'il la retourne sur sa direction, sur la direction de tous les musulmans. La vraie existence est l'existence du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Bismillah. Il n'y a pas d'erreur dans le propos de l'imam. L'imam est sorti par la volonté du Tout-Puissant. Il n'y a pas d'erreur dans l'idée de l'Umma, de Mahdi. Même si Annie était plus guidée encore qu'un simple idéaliste, il a fait quelque chose que personne n'a égalisé jusqu'à maintenant. Il a permis aux gens de le savoir alors qu'il n'était plus là. Il a aussi permis aux gens de ne pas répondre alors qu'on lui demandait pourquoi. Il a permis tout ça alors qu'il n'était qu'un simple être humain. Dans l'idée, il est plus que ça. Il est un fils de Marie, voilà, qui a aussi reçu l'égal et qui n'a pas dit pourquoi, qui a ressuscité la personne et qui n'a pas rêvé de lui, qui n'a pas rêvé de cet islam, qui a répondu que c'était un homme conscient et qui était aussi de bonne direction dans l'Oumma. Le Mahdi a forcément connu ce que vous dites. Il a forcément été aussi le Hakim, c'est-à-dire le sage, la personne d'Annie, la personne du Mahdi, d'Imari, l'imam Muntadhar. Merci de m'avoir écouté. La personne est consciente que vous êtes un exemple maintenant. Pas loin d'être le Messie, et pas loin d'être au Mehdi. Avec la nouvelle vie. Et la promesse s'accomplit. Que c'est un islam, le père du monde arabe, est conscient de la Mecque, conscient de la paix, conscient enfin du mérite de l'islamique, connaissance du peuple, de la religion humaine, et aussi Mahdi. Attends! Ils ont perdu toute leur fortune, Ryan. Toute leur fortune, ils l'ont perdu. Même le plus petit centime. Ils ont perdu toute leur fortune juste avec un seul imam. Ils n'ont rien du tout. Il faut les faire croire que c'est le corps, puisque c'est que la résurrection, le fils de Mariam, qu'en fait l'imam, la demi-Marie, de Marie, qui n'a pas rêvé de ses hommes, ancien, qui est juste la consolation du Mehdi, qui est la consolidation du maire, de l'Oumma, le roi de la connaissance Messie, Imam Muntadhar, Dar, Damiri, Damiri, Oumma Sadi, 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 Annie, Oumma Sadi Annie. La tête entière, tu me dis, il faut la sortir. Oui, la tête entière, il faut la sortir. Le père, en fait, n'est pas connu actuellement. Il est juste l'idée. Il faut le faire sortir. Sortir par le corps. Et ça, c'est un art, en fait. C'est un art. Ce
C'est une personne qui est tentée, elle est tentée de le dire. Et actuellement, elle n'est pas juste la personne du prophète. Elle n'est pas juste. Elle, en fait, envoie tout le temps des signaux que ce n'est pas juste l'idée du Mehdi, que c'est l'idée de la paix. Et en fait, on ne peut pas exactement lui donner raison, parce que ce n'est pas l'idée du cœur, c'est l'idée du français, peut-être, qui n'est pas juste, de connaître, voilà. Et cette ancienneté, elle n'est pas légale du prophète, elle est la tête entière du parti du Messie, et en fait, du Mahdi, je veux dire, oui. Et donc, il faut revenir au Mahdi pour retourner après au prophète, qui est Mehdi aussi, mais qui est dans le royaume de Dieu, l'égal du Caire. L'égal du Caire, l'égal de la Palestine aussi, l'égal de la Palestine. Vous pensez que Annie n'a pas revu, mais en fait c'est un peu juste dans l'idée que c'est Messie, de Mary, de Miari. Et vous n'avez pas uni toutes vos forces pour le savoir. Vous n'avez uni aucune direction sans le dire. Finalement, à la fin, par l'Umma, Hadi, Mole, là vous passez dans les cartes, vous passez maintenant dans le fils de Marie, et vous comprenez que c'est juste un imam, ça, c'est juste un imam. On pense que vous avez juste une seule consolation, celle de ne pas avoir pris le dessus sur l'égal. Et en fait, on parle de l'égal parce qu'il y a un rôle, le rôle d'une personne, c'est tout. Et dès qu'on a ce rôle, vous savez pourquoi on l'a fait. On a fait le Caire. Le Caire comme une connaissance. Cette connaissance, c'est qu'on a revu Annie, en fait. On a revu Annie. Pas loin des messagers, on l'a revu. Dans l'idée, on l'a repris. Comme un imam, voilà. En fait, comme un imam. Comme un roi de la communauté. Comme un roi de la communauté. Et là, on fait le corps, tu comprends? C'est un messie en fait, c'est un messie. Et on dirait que c'est un prophète, tu vois, un prophète. Et tu vois, les chairs dedans sont juste légales. Légales, voilà. En fait, on veut savoir qu'est-ce qui est cet égal. Et cet égal, pourquoi il n'y a pas réponse jeune, réponse jeune. Papa, voilà, je sais que c'est toi. Je sais que tu peux m'entendre. Je sais que tu vis, voilà. Je veux te faire connaître ce que tu disais. Tu pensais l'égal. Tu pensais l'islam aussi. Je pensais que tu étais l'égal. Je pensais que donc que tu étais le bien guidé. Je pense à la fin tu peux nous donner la vérité. Je pense que tu sais plus que tout ce que tu nous as donné. Je pense à la fin tu es le meilleur à connaître. Même si je n'ai pas tout dit encore sur le parti qui t'a aussi donné la paix quand tu n'étais plus là. Mais je veux donner le parti à la fin, au retour de l'idée à l'imam Mahdi, au responsable de la communauté. Responsable de la communauté. Et ça, en fait, ce n'est pas légal qu'il ne considère pas qu'on a déjà trouvé l'imam. C'est légal pour l'instant qu'il sait qu'on a l'imam. Donc c'est le bien guidé. Donc c'est la paix pour l'instant. Et j'ai forcément la connaissance. Ulma, imam, admire, muntadar, el-messi, muhammad, dimari, monnaie, la monnaie maintenant. Si vous avez eu la réponse, la monnaie, abi, muhammad, adi, abi, Albi, Annie, Adi, Mary, vous avez le corps, où est le Saint-Esprit, Djibril, et le feu. Maintenant c'est le feu, la personne est retournée. Vous n'avez pas le droit de retorquer que la personne n'est pas juste. Vous n'avez pas le droit de rétorquer que la personne ne peut pas survivre. Vous devez dire que la personne est compagnon. Vous devez dire qu'elle est connue dans les dés de la Mecque. Vous devez aussi dire que c'est la première identité de l'Umma. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à vous-même faire des urines. Vous n'avez qu'à vous-même dire que ce n'est pas la vérité, la mémoire.
la mémoire ou encore la scientifique renaissance du corps, jusqu'à la fin des amitiés, la soumission du terrain de l'accord entre votre solution pour l'espoir et la dernière réponse au cœur de l'imam Mahdi, du peuple sans histoire, sans corps, sans lumière, avec dans l'idée le père de la communauté, avec un idéaliste du prophète, un idéaliste de la connaissance, une religion de la communauté du religieux plan de l'imamat, c'est la maison. Vous avez constaté que la personne était consciente, vous avez vu l'esprit qui répondait à la personne, vous avez aussi vu les qualités qui ressortaient de la personne, vous avez à la fin vu que l'esprit témoigne de la personne, qu'il est aussi rencontre avec la personne, qu'il est sur la fin des temps le calife de l'imam Mahdi, c'est-à-dire le roi qui a survécu à la science par son nom et par sa religion, mais où est ce Messie? Il est dans un ordre, dans une vérité, pas loin d'être imam, il est conscient de l'importance des enjeux, de l'idéal, de l'Ummi, la mère, le père de la communauté. Imam Mahdi. Oui. Donc c'est pas vrai ce qu'ils ont dit, qu'on n'a pas le Caire, qu'on n'a pas l'islam. Et Annie me répond qu'il en a ras-le-bol, que c'est pas juste, si c'est pas lui, le Mahdi. En fait, il me dit tout le temps que c'est Mohamed qu'il fait bien guider. Il me dit qu'il n'y a pas de racine, c'est une religion qu'il l'a dit, mais si, alors qu'il était plus jeune, il était enseigné. Mahdi, qu'est-ce qui se passe? Où en est ta résurrection? Je suis père, je suis enfermé. Enfermé, je suis compagnon, je suis redémiré. J'ai tout fait, moi tout seul, personne ne m'a aidé. Je suis la gloire, je suis le serviteur sans honneur de dire pourquoi. Je suis jeune dans l'idée de notre histoire. Je suis le verset de l'égal du parfait. Je suis le retour des saints dans la Palestine. Je suis la tête entière de l'égalité du peuple. Je suis vers vous la majesté qui donne longtemps la religion comme souveraineté. Je suis connu comme la science et aussi comme le renom de la dernière communauté. Je donne ma vie comme je donne la communauté à la fin des jours. Je suis le maître de l'évidence. Je suis le grand sage qui donne la royauté aux hommes des fils d'Adam. Je suis le père et je suis l'inévitable. Je suis aussi le conséquent de l'Orient et je suis à la fin des jours votre responsable. Je suis dans le temps la guidée et je mène jusqu'au bout des compagnons leur loi. Je suis à la fin leur symbole. Je suis aussi mon frère, le bienfait dans l'islam. Umma si, le ma si, de Mahdi, de Mahdi. La vérité est toute une publicité qu'on a faite depuis l'imam Mahdi. Votre réponse que vous donnez sur les messies sont des vérités dans le Caire, même si cette vérité n'est pas tout à fait l'imam. Elle est en fait les qualités du père enseignées par l'Orient, l'oriental, versant de la loi, le guide de la rencontre. C'est une responsabilité. Regardez maintenant la tombe et voyez la vie dessus. Et je vous dis qu'il est ressuscité. J'ai compris. Il est ressuscité. Et en fait, c'est des preuves qui sont attestées dans les degrés. Puis elles sont dans les consciences. Puis elles sont dans les rois.
puis elles sont dans les histoires, puis elles sont dans les vies promises, puis elles sont dans les destins, à la fin elles sont dans les rencontres, à la fin elles sont dans les responsabilités. Dans le temps, elles deviennent à la fin une rencontre entre vous et la dernière souveraineté. Et la dernière souveraineté, c'est un Caire. C'est un Caire. En fait, un Caire, vous voyez, un Caire. C'est une rencontre avec le corps. Le corps est la religion, l'histoire de dire que c'est un corps. Et la résurrection. Et cette résurrection se perd. Un père et sa vie nouvelle. Et c'est la patience qu'on a eue pour vous dire que c'est un porteur de l'Uma, de l'Uma. Le ma dit Uma, si Uma, si Imam, ismi, 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 hey, ni, hani, hadi, hadi, Muhammad, Muhammad, Muntada. En fait, Annie ne vit pas que dans un caveau. C'est attesté maintenant dans le Saint-Esprit de Jibril et aussi dans les croyances d'Allah qu'il vit en effet dans le roi. Il vit en fait dans le Rasoul, Allah. Il vit aussi dans les histoires du peuple. Il vit dans la Palestine, dans la religion père du Messie. Il vit dans le peuple, dans le retour. Il vit avec les saints dans la transformation de la maison du peuple. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit là? C'est de rien. Il faut le Caire. Le Caire pour rendre compte. Il faut les personnes pour rendre imam, m'a dit Ryan. C'est Ryan, le dernier imam, en fait, qui n'est pas juste. Il n'est pas juste, il voulait retourner l'imam. Il voulait retourner ça avec le Père. Et en fait, la seule solution était de transformer l'imam en roi de la Palestine. Et cette idée, c'est vient de son Père. Et c'est inconscient maintenant avec son Père. Et ce père, il est vivant dans l'islam. Il est aussi le dernier religieux qui n'est pas enterré du coup, qui est ressuscité. Et le prophète n'est pas alors un homme. C'est en effet un esprit qui rentre en vie dans l'idée de la nouvelle communauté. Et Abi Ani était né le 19 octobre. Et nous sommes aujourd'hui le 20 octobre. Et donc, n'a-t-il pas même une journée de plus à vivre sur terre? La conséquence en est qu'on ne peut pas le laisser vivre sous terre. On doit donc responsablement dire qu'il est un homme, qui a ses responsabilités, et qui a aussi la vie éternelle après, pour redonner la victoire à qui bon voudra vivre sous l'homme de la nouvelle vie, et l'homme de la nouvelle vie, et le roi de la communauté, et le roi de la descente du peuple. Sur le retour de l'imam, m'a dit Marie. Marie dit l'égal, pour l'instant, l'égal du seul Dieu, l'égal du seul kid, l'égal de la seule communauté. Mon ton père a des histoires. Où est le fils maintenant? Il est dans le retour. Où est l'imam? Il est dans le choix de sa destinée. En fait, j'avais plus ou moins le corps, en fait, l'âme de la personne, donc je pouvais l'assister. Le fait est là, en fait, d'avoir eu la permission d'Allah aussi pour le faire. La conscience est tranquille, mais est-ce que la dignité est présente pour qu'on ait toute la conséquence de nos actions? Le verset est en fait la bismillah sur le corps et la responsabilité d'entreprendre la suite de la grande façon de guider. Et cette grande façon est dans le futur. Et dans aussi un royaume qui était les portes, les âmes, dans leur nouveau parti. Et ça, c'est un royaume qui est scientifique, dans l'idée de retourner la soif de comprendre l'idéal du messager. Et ça, c'est une nouvelle vie pour les corps. Et c'est aussi une nouvelle vie qui est entreprise par les États. Sur la nouvelle vie, elle est en fait cette réponse qu'on en donne sur le principe. Du prince, voilà, le principe du prince, c'est de l'Orient, c'est de l'oriental, c'est pour avoir les compagnons avec l'islam, mais dit mon père là, oriental,
qui veut te voir un petit peu sur les messagers. Les messagers sont pas ton serviteur. Ils sont pas ton simple d'esprit. Le vice-président, c'est encore un messie, dans l'idée de faire renaître la personne au paradis. La personne renaît au paradis parce que c'est un royaume dans le Coran. Le Coran est vivant par la sainteté du retour. Le retour à la forme de la royauté. La royauté est revenue par le sentiment du Père. Le Père est un l'imam, son royaume. Le temps ne peut pas être sans étude de la terre. La terre est montadar. Le retour est le simple d'égal, de l'égal, du parti. On veut qu'il vive, donc il revient dans l'espoir de la seconde idée du Coran, prophète. Le retour est cet envoyé du peuple. Le retour est cette illumination de la maison du Kem. Le Kem, la Rasulallah. Le retour vers Abi Hani, le roi de la Palestine, le grand maître de la résurrection. Alhamdulillah, Al-Mahdi, Al-Mahdi, voilà, Alhamdulillah, 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 Ahmad, c'est bon, on a ressuscité. La personne est vivante, elle est touchée. La personne est touchée dans son estime, tu comprends, dans son estime. Par le Messie, elle est touchée dans son estime. Elle connaît la personne que c'est l'Orient, que c'est l'Orient. Elle connaît qu'on est en Iran, là, on est en Iran avec les pères. On est en Iran avec les pères pour pardonner le père. Pardonner le père du serviteur. Le pardonner du peuple. Le pardonner des histoires. La personne est retournée avec l'esprit de l'Rahim, de l'Rahman, del Kaïm, del Khalifa. Elle est retournée par le fils de Palestine, et par le roi de la maison. Elle est retournée par le peuple qui entend les imams, donner les chefs comme la réponse. La reproduction du prophète, la reproduction du Mehdi, le rôle du corps est de servir à la nouvelle vie. Et la vie est nouvelle. Elle est ton père. Elle est ici, Mehdi, ton royaume. Elle est ta nouvelle communauté. À la fin, elle devient ta nouvelle raison de croire, de dire la direction du Kaïm, de donner ta vérité aux jeunes. De sortir du lot de la promesse en donnant ta vie avec la nouvelle paix du prometteur de la grande idée. La grande idée est le serviteur de l'égalité, l'égalité du royaume, avec le seul roi qui vit longtemps la promesse de la nouvelle vie. Et cette promesse est le royaume du messager de Dieu en imam el-Mahdi. Le retour est un calife. Dans le retour de sa naissance dans la nouvelle vie. Kemadi, Hadi, voilà, Mary, Emma, Oma, c'est ton prophète, où tu es? C'est ton royaume, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle dans l'idéal de ta communauté? Vous voyez peut-être apparaître le nombre d'Allah, de serviteurs, 800 la paix est revenue. Donc là, je dis qu'il revient. Il revient même du peuple. Il revient de la soif. Il revient à la fin de la prophétie. Où est l'idée qu'il a fait rencontrer le Messie? Ce dit Miri, Abi, Annie. Le roi des serviteurs, peuple de la paix en deux temps.
deux temps du monde, deux mondes de la vie, deux vies de la communauté, deux royaumes de la soumission, deux jours de la nouvelle imam de la nouvelle imam du cœur, deux corps pour la nouvelle direction, deux peuples dans la nouvelle communauté, du temple des enseignants, du fils de Mariam, Al-Mahdi, la paix revient dans le fils de Marie. Et le royaume n'est pas juste du tout. Il est un prometteur de sa vie, tu comprends, de sa vie. C'est jeune si je n'ai pas la vérité. C'est jeune si je n'ai pas l'imam. C'est jeune si je n'ai pas le roi, là, des envoyés. Donc, debout, la personne va reprendre vie, comme si c'était un corps. Djibril, je t'ai invoqué, voilà. Le corps céleste, oui. La nouvelle éducation de tes histoires. Et vient de l'Oma. De l'Oma. L'Oma dit, Marie. Et en fait, c'est notre révélation que c'est le nouveau nom de l'Oma. Elle est le Messie. Et elle est forcément votre communauté. Au peuple de paradis, elle est votre venue dans l'islam, elle est votre rencontre avec Allah dans cette nouvelle vie. Oh, et cet islam qui me donne la vie nouvelle, la paix que je veux pour Jésus-Christ, la nouvelle communauté que je veux dans l'idée du Messie. Où est ce Messie que si jeune, si renseigné? Donc où est Anila selon la parole? Il est ressuscité dans la royauté. Et en fait, où est cette royauté? Elle est dans deux histoires. L'histoire du compagnon et l'histoire du dernier imam de la religion. Elle est forcément l'histoire où Annie est empérée hier sur le temple de la Palestine avec la mosquée bénie. Le roi est revenu dire la salutation aux inspirés sur le parti de sa communauté. Où est ce Héma? Où est cette vérité? Elle est dans le père de serviteur Muntadar, ta vie est double. Elle est double, on dirait que c'est la double existence. Bientôt, elle est triple, elle est sur la troisième communauté du royaume. À la fin, elle devient toute l'ancienneté. Elle est donc l'imam avec l'ancienne connaissance du retour à l'accord avec les hommes et leur solution du Père indiquée comme le prophète. Le prophète est le sens de la communauté, même le retour de l'islam. À la fin des jours de l'Oriental, guidé, le peuple a ressuscité tout le monde sur la même ancienneté, sur le fils de Muntadar, le retour des envoyés de l'Oma. L'Oma dit le peuple qui sait se réveiller, qui sait penser la nouvelle rencontre avec le sceau de Dieu, Muntadar. Le retour vers la fin des communautés et vers le nouveau jour de la dernière ta dernière souveraineté. On a tout résolu dans le Père. Le Père est guidé dans le retour et l'essence de l'idée. Dans le Fils, il est personnellement le cœur du peuple, le cœur de sa paix, le cœur de sa venue. Il est l'enfer, si tu le connais, l'enfer. Ce n'est pas ce que tu imagines. Au peuple, ce n'est pas ce que tu veux faire. Le Créateur n'est pas libre
de tout faire sans histoire. Lui donner l'histoire, c'est comme lui donner ce qu'il a toujours attendu. Le peuple n'est pas ce qu'on pense d'une seule vérité. Il est à la fin toute la rencontre avec le berceau de la Palestine et le fils de Muntada. Le verser vers le Père sage. Le Père sage qui promet sa ville avec le Père. Avec le Père sorti de l'égal. Sorti de l'égal du Messie. Du Messie le prophète. Le prophète le retour. Le retour le roi des rois. Le sens est donné à la seule direction du corps. Le corps sensire. 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 Concision n'est pas justement l'état. C'est le père, ça. Sans circoncision. C'est le fils circoncis peut-être. Qui peut donner la vérité, le fils circoncis. Pas loin de la circoncision, le père enseignant la qualité. La qualité du terre, le terrain est le père de la communauté. La vie, de ma, hadi. Voilà, Ryan, c'est bon, tu l'as bien nommé. Hein, elle est née, on l'a vu naître. Ah bon, oui, on l'a vu naître. Il est né comme une raison. Il n'était plus là, il est né comme une raison. Donc il doit être au Messie. La religion, des prophètes. Il est connu, il est connu. On dirait Messie. Je pense à toi, Annie, dans la dernière réalité. Et je pense à toi dans la dernière, la bonne réponse. La dernière reconnaissance. La bonne réponse. Est-ce qu'on y est, Messie? On y est, c'est un prophète. C'est, je pense, la connaissance aujourd'hui qui va suffire à nous racheter. Aujourd'hui, l'islam a raison de ne pas suffire, mais de remporter une certaine direction. La direction du peuple. Le peuple sur la fin du prophète et l'imam. L'imam avec sa vie, sa vie, sa vie. Sa vie et son retour parmi nous, son retour dans les cartes, son retour dans les grandes promesses, son retour vers la grande génisse, son retour vers le capi, le kabir, son retour vers la capacité. Dans le retour, c'est le retour vers l'islamique, l'islamique royauté, et c'est le fils saint de Mahdi. Le retour vers l'État monté comme une choisie du Kaim, du Kaim, le Kaim, le Kaim, le Kaim, le Kaim, le Kaim, le Kaim. Justement, Annie, je dois te dire, je suis donc ton exception. Donc ce que je veux te faire croire aussi. J'étais lu, Vanny, un peu, j'étais lu un peu. C'est en fait un homme d'exception. Aussi une vérité que je voulais te dire. L'homme de la communauté. Oui, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, mais je suis offert. Je suis enfer. Je suis enfermé, t'es enfermé, oui. Donc je peux te délivrer. Où tu es enfermé? Dans l'idée. Donc je te libère. Je te libère. Par par le Mehdi, voilà. Et ce n'est pas exactement ce que vous pensez, c'est des miracles. C'est métaphysique en fait, métaphysique. C'est une science des messies. Une science des messies. Scientifiquement, peut-être que tu dois être exact. Exactement là où je l'ai dit. Dans le père de Mary. De Mary, vous allez te voir. Attendez. Malak, va le chercher. Fais le Malak aussi. Fais un serviteur. Fais un prophète.
Ouais, tu m'as vu, oui. C'est trop tard. Il est malak aussi. Ah bon, oui. Le malak. Donc il n'est plus qu'un simple docteur. Il est aussi un malak. Ah bon, oui. On peut essayer de faire comme ça. Dès que c'est un malak aussi. Oui, un malak, tout à fait. Un malak, tu penses? Je demande le conseil d'Allah pour vérifier la preuve métaphysique, qui est la preuve que nous avons besoin. Est-ce que c'est un malak que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un état. D'un état, oui, un état. Alors le faire état, oui, le faire état, par exemple, aussi, par exemple, le faire état, ça c'est les pouvoirs, hein, les pouvoirs. Le faire psy, le faire messie, par exemple, le faire messie, oui, c'est ça. Ben, où est-il maintenant? Si nous visons encore la tombe, on peut le faire quoi pour qu'il sorte? Le faire Dieu. Le faire Dieu, c'est moi le sortir. Ah bon, oui. Il peut sortir juste par son nom. Ah bon, ouais, juste par son nom. Il a juste à dire qu'il est messie et il sort. Ah bon, comment? Avec l'État. Avec l'État. Mais sans hésiter, c'est trop difficile. Sans hésiter, c'est un... C'est un mahdi, je peux le dire. Deux secondes. Là, je vais. Il y a plus de roi peut-être après. C'est peut-être une illusion qu'on a après. Faut sortir. Il faut sortir. Le corps, il faut le sortir. Même la paix, il faut la sortir. Faites-moi confiance, il faut tout sortir. Allah soulève la pierre. Cette pierre soulève là. Récupère-le, dessous. Récupère ce que tu veux récupérer. Récupère comme dans ton royaume. La vie de ton serviteur. Oui, tout à fait. Pense aussi que j'ai raison. Dans le temps. Le temps accomplit la vérité. La vérité fait de nous des hommes. La vérité nous donne plus après. Elle nous donne la nouvelle. Le compagne. Oh non. De la terre nouvelle. Pour la terre nouvelle. Pour le peuple qui vit sur un... Venu. Mais si. T'enfermes pas l'autre, oui. T'enfermes pas l'autre, hein. Je veux le libérer. Libérer du sœur. Sœur, il y a un sœur. Je veux libérer du sœur. Enlevez, voilà. La religion, les compagnons. Voyez les signes dans le ciel, les miracles. Voyez les éclairs. Des lumières. Autant de messie, autant de rois, autant de cueils, autant de chefs. Je sors mon père. Voilà. Il sort, je pense. Voilà, il est sorti. Il est sorti, je pense. Attends. Le si. Le roi. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Un homme, on dirait un homme. On dirait que c'est une roi. C'est lui, c'est lui. Ça va? C'est le roi. Yann, oui, c'est moi. Ça va? C'est Dorian. Oui, c'est Dorian, oui. Je sais pas si ça va. Je t'aime, d'accord. Ça va ou? Oui, c'est rien. C'est rien, non? Oui, c'est rien. Là, j'ai un brouillage. Le temps le dit. Messie de vérité. Messie Rabbi. Annie, de vérité. Je t'aime, Annie. C'est bon. Tu vois, c'est rien. C'est rien. J'enseigne tout. La pluie. La résurrection. Puis le cours. Le cours, Bill. Bill, mais. Le coup à Bill Mehdi, le retour du Rasoul, le prophète, le dernier royaume des prophètes, le dernier royaume du Messie, Marie du Mehdi, voilà,
Le Messie devient réalité. Mohamed Hadi, Mohamed Hadi, Mohamed Hadi, Hadi Marais, Hadi Mardi, valeur réelle. Distance, distance. Le retour du roi, le retour de la communauté, le retour de la victoire, le retour des anciens, du Mans. Tout va revenir à la venue du Messie, tout va revenir à la venue du Messie. Le retour est Messie, du mairie. Vérité, dans le bébé, la mairie, c'est bien, la mairie, ouais, et vérité, Ryan, vérité, oui, homme, oh, c'est ta vérité, on dirait tu hête, voilà, ce fils, Himam, ce homme, ce fils, Himam. Ton fils Imam. L'éternel juste au-dessus de moi. Il y a des miracles. Il y a une personne dans le ciel. Elle est dans le ciel, là. Voilà. Il y a une personne dans le ciel et dans le ciel. Elle est juste là, voilà. Il y a une énorme lumière qui sort de lui. Une énorme lumière. Il est très grand. Il y a des hommes qui sont là. Il y a une lumière qui sort. Voilà. On dirait un miracle. C'est une promesse. Voilà. On dirait le prophète. C'est jeune. Allez, je vois. Fume de myrrhine. Oui, je fume de la myrrhine. Allez, va. Ah, vous voyez, c'est des miracles. Des miracles, voilà. Voilà. Et c'est ça. La tête. Ne cachez pas la vérité, Roi. Le Jurai. Juraïen, c'est bon. Ali. Le roi Ali, voilà, c'est ça. Ali, voilà. Et Périen pour attendre. Le Messie, Périen pour attendre. Abi, Bahati. Oma, c'est toi. Mon parti, mon choix. M'appelle maintenant. On m'appelle maintenant. M'appelle, c'est toi, m'appelle. Ryan, où est ta pelle? J'ai pas de pelle. Tu n'as pas de pelle? Va prendre une pelle, c'est pas jeune, va prendre une pelle. Oh putain. Tu veux que je le sorte? D'en dessous? Ouais. C'est du miari. Comment je fais, Seigneur? Quand je n'ai pas de pelle, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien. Je domine le Médé. Il faut sortir, il faut se voir, voilà, il faut sortir. Le dernier mais dit. Il faut jeûner, il faut savoir. Il faut connaître. Là, j'ai donné la résurrection. Donc, dehors. Lorsqu'on a donné la résurrection, on a fait tout le Messie, on a tout dominé. La dernière parole, elle est pour Mehdi. Abi, Saint. Abi, Habibi. Voilà, c'est bon, la dernière parole. Il faut sortir maintenant. Il n'y a plus de temps. Il faut sortir. Fais l'oreille. La résurrection, fais-la. Le royaume. L'habit, le haba. Le retour. L'imam. Le baba. Le baba. Ouais, c'est bon. Le baba. Ouais, il est au-dessus. On l'a vu au-dessus. Ah bon, oui. On l'a vu au-dessus. Je veux dire. Le bas. Le mahati. Ouais, c'est bon, on l'a vu au-dessus. On l'a vu au-dessus. Ah bon, oui, on l'a vu au-dessus.
le Messie, voilà le monsieur. Droit, c'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. Hachim, c'est toi, c'est moi, Hachim. Hachim, oui. Hachim, allez va. Hachim, oui. La Palestine, Hachim. Mohamed, oui, c'est moi. C'est moi. Dépêche-toi, ils vont sortir. Ils vont sortir, oui. Dépêche-toi, je me dépêche. Mais je suis avec Hachim, Monsieur, imam caché. Le seul imam caché. Le Mehdi. Ouma, Sidi. Vas-y, c'est l'imam caché. Vas-y. Perds tout. On va sortir, perds tout. Voilà, c'est bon, t'es avec moi. Perds tout. On a tout sorti. Vite. Il faut sortir, vite. Vite, la police, voilà la police. Les femmes, d'accord. Le retour, vite, il faut revenir, vite, d'accord. Pensez tout. Eh, tu peux le réciter ici. Ah bon, ouais, récite-le ici, je récite ici. Voilà, c'est bon, il a récité ici. Bon, il n'est pas grand. Je récite ici, c'est bon, il récite ici. Bah, tu es pas grand. Je récite ici, c'est bon, il récite ici. Bon, le film, oui. Tu gardes le film. Robbie. De Mary, oui. Tu gagnes. À démarrer. Démarrer. Venu, Ryan. J'ai pas aimé ce que t'as fait. J'ai pas aimé. Vite, démarrer. C'est bon, Ryan. Démarrer. Ouais, c'est bon, Ryan, il est sorti. Démarrer. Ouais, il est sorti. Attends, c'est moi qui suis sorti. Démarrer. Oui, il est sorti. Il est sorti, Ryan, oui, il est sorti. Bon, vite. Ensuite. Ouais, c'est bon, les restes. Vite. Habib, reviens. Habib, reviens. Ouais, c'est bon. L'aider du Mehdi. Habib, plus grand. C'est bon. Imam. Habib, c'est bon. Mes preuves sont l'homme transporté. C'est la preuve que Dieu est venu, qu'il est venu comme l'Éternel. C'est l'homme de tous les temps. C'est l'homme de tous les temps. C'est le seul homme qui a tous les temps. Et il est l'Éternel. C'est lui qui est le seul, l'unique. Voilà. Il est venu. Donc il n'y a plus de temps. C'est Dieu en fait. C'est Dieu. Et là, Dieu était là. Dieu était là. La preuve de l'homme très royaume. Ton royaume, voilà mon royaume. C'est bon. La paix est là. Vas-y, c'est bon. Vas-y, et en fait, on a transporté l'homme, je pense. Je pense qu'il est transformé. Je pense qu'il est guidé. Il est bientôt midi. Faites-moi confiance, il est bientôt midi. Si c'était leur volonté d'Allah. Mais l'homme transporté, oui, j'ai compris. L'homme téléporté, j'ai compris. Oui, l'homme téléporté, ça peut marcher. L'homme téléporté, d'accord. Vas-y, vise là quoi. D'accord, l'homme téléporté. Voilà, c'est ce voyant. C'est ce voyant que je voulais. C'est brillant, tu vois, c'est brillant. Ouais. En fait, où est l'homme? Ah, t'as vu? L'homme, j'aurais vu. C'était Rémi. Peut-être Rémi était là, oui, Rémi. Oui, j'ai rien là. C'est un homme. Un homme, oui. J'ai même toutes les connaissances. J'ai même tout en fer, si je le dis, tu vois, tout en fer. Je suis en fait la personne scientifique. Pas loin d'être votre imam, tout le temps,
Je suis la personne de réalité, des réalités. Dieu n'a jamais deviné ce père et son fils qui ont grappé, qui ont grandi en Allah, qui ont grandi en Allah. C'est tellement libéré, tu vois, tellement libéré. Tu peux penser que c'est vivant à la fin, ce vivant. Je l'ai su que c'est vivant à la fin. Il y a à la fin une réponse du sauveur, la personne du sauveur a sauvé quelqu'un. Même elle a été sauvée elle-même par la personne, la grande personne. Le peuple a des raisons de croire que c'est une seule vie qui est manifestée comme la vérité. À la fin, nous avons un manifeste, mais combien de temps nous avons le manifeste? Nous avons le manifeste le temps que ces messies qu'ils le repentent, le monde. Et en fait, c'est une repentance du monde, parce que le monde est... Allah est plus grand. Il est plus grand, donc il a plus de pouvoir. Il ne va pas dire votre journée, votre sainte journée. Ça lui ferait plaisir peut-être de la savoir, mais... Il est plus important, je pense, de lui faire confiance. Si vous n'avez pas tout fait, il a forcément lui fait plus inspiré que vous. Autant où il y a même un rapport, voilà, il y a un rapport entre vous et lui peut-être, mais le monde, surtout le monde en fait, que Dieu voit. Dieu voit le monde, il l'a façonné. Vous êtes ici pour avoir une raison de connaître. Quelle était la façon dont Dieu créa en fait la parole, il a créé la parole, il a créé le nom il l'a créé. Et en fait après il a créé le nom et il lui a donné la manière aussi de se représenter, même la manière de se connaître. Il n'y a pas à la fin d'objectif plus grand que d'aimer son prochain, ou d'avoir Mehdi, à la fin c'est avoir Mehdi. Ou bien c'est Messi, à la fin c'est Messi, voilà, à la fin c'est Messi, voilà, c'est rien, non, un anneau, on dirait, non, c'est rien, à mon avis c'est rien, c'est le VIP, là tu vois en fait, dans l'incarnation là encore, ah bon oui, dans l'incarnation tu es, Abby, tu es dans l'incarnation, ah bon oui, je suis dans l'incarnation, voilà, et je suis incarné là, là tu es incarné en fait, même comme l'autre homme, ah bon oui. Je donnerai pas la Palestine avec le roi. Je donnerai pas la Palestine avec le roi. Vos intérêts, rien du tout. Vos intérêts, c'est rien du tout. Vous vous souvenez de Mehdi, la divinité, Vous étiez rien, paix, rien. Vous êtes un empire pour passer un pire. Pas vrai, tu vois, pas vrai. Non, c'est. Non, Rémi, ton empire, tu finis par l'avoir, la même divinité. Pas lui. La même divinité n'est pas juste un homme. Je n'ai pas tout dit. Je ne suis que ton père. Je n'ai pas tout fait dans l'idée. Je ne suis pas ce que tu crois toujours. Je suis la vérité. Je suis seulement la vérité. Il était créé. Et quand vient le nouveau monde, vient le nouveau jour. Tu es un voleur, tout ton état en entier, pas une seule journée tu n'as pas volé le prince, toute la journée tu as volé le prince, toute la journée tu m'as volé, toute la journée, espèce de petit con, état petit con, toute la journée tu as volé toutes les vérités, tu m'as pas avec le roi, Tu nous as pas du tout, pas du tout. Toi-même état empiré tu es. Tu as ton compte, à la fin tu as ton compte. Maintenant tu me poses la bonne question.
O est le roi. O est le roi. O est le roi. O est mon père, le roi. O V le roi. O V le roi. O devient, devient le roi. Devient le roi. Le roi superbe alors. Le roi superbe. Le roi, tu ne l'as jamais vu parce que c'est comme un homme, tu vois. Et c'est comme un homme très, très, très vieux, voilà. Tu le vois rarement, tu le vois rarement. Tu te souviens de mon père, voilà. C'était un vieux, voilà. Pas loin de t'avoir en vérité, de t'avoir en vérité. Je te trouverai, mon père, je te trouverai. La coupe du roi. Tout est la coupe du roi. Tout est la coupe du vieux. Tout est dans sa coupe, tout est dans sa coupe. Et c'était une fin. Une fin. Une fin. Un fin. Et. Et le roi magnifique. C'est le roi magnifique. C'est le roi des Médis. Le roi des Médis. C'est la coupe. La com, là, la com. C'est la venue, la venue. C'est la venue. Mais merde. Me sauver du prophète. Me sauver du prophète. Maintenant, on peut y aller, mais je vous dis, cet homme n'a pas envie de le dire. C'est tout.